Cérébro, quand j'ai détruit le booster d'audience de Lord Gaga, il y a cette pièce qui en est tombée. Comme tu as déjà réparé le booster et inversé son signal, est-ce que ça pourrait servir quand même? Voyons. Cérébro analyse la pièce brillante pendant un court instant. C'est un matériau alien, un élément rare sur Terre. Il nous sera sans doute utile plus tard. Bonne nouvelle, mon précieux. Mais j'ai toujours du mal à croire que tout ça nous arrive. Mon dernier souvenir, je tombais au fond du volcan en courant après un petit bijou. Mon précieux. Oui. Trevzy. Une machine qui parle. Des matériaux aliens. Des monstres qui envahissent la Terre. Mais ça fait du bien de te voir dans ton état normal, Max Castor. Cérébro, nous sommes prêts à combattre Lord Gaga. Enfin, je crois, mon précieux. Non, le volcan, le cauchemar. D'abord, il vous faut un véritable téléporteur qui peut vous amener n'importe où en ville. Attention, vous pourriez avoir une légère nausée tant que vos corps ne sont pas habitués. Mais moi, je connais, je suis... Je n'ai rien dit. Dépêchez-vous maintenant. Un véritable monstre menace. Un groupe de véritables humains. Pas des acteurs. Il a été repéré près du chantier de construction. Un chantier? Quel cliché. En plus, on a déjà joué. Bon, là, c'est pour de vrai. Allons-y. Je comprends pourquoi toutes les séries tournent sur les mêmes lieux. Alors, on utilise vraiment la téléportation? On doit carrément l'essayer, oui. Nous le voulons, le pagne, la téléportation, le télépagne, mon précieux. Alors c'est parti, tous au chantier. Un petit peu plus tôt dans la journée. Bonjour, habitants de la Terre, je m'appelle Punky Trouille. Je suis venu semer le chaos et me nourrir de vos regards apeurés. Joyeux Halloween, c'est dans pas longtemps. Il me faut juste quelques victimes peu méfiantes et prises totalement au hasard. Le Punky Trouille se mit alors à traquer sa proie. Tel le montagnard derrière le maillard. Il captura des innocents dans la rue. Toi! Mais non! Toi! Ah bah pourquoi? Toi! Toi! Ah merde, c'est un miroir, c'est moi que je vois là. Et il disparut de la circulation. Plus tard dans la journée... Avec un défaut de cadrage de caméra. J'ai mal à la tête, mon précieux. Est-ce que les pharmacies vendent des pilules contre le mal de téléportation? Bon, où sont les... Nous avons de la compagnie, Bob Lennon. Écartez vos mauviettes. Pas dans les égouts pour secourir les autres humains. Voilà qui répond à ma question incomplète que je n'ai même pas posée. N'oubliez pas qu'on a toujours besoin du public pour affaiblir le portail de Lord Gaga. Battons donc quelques vrais monstres pour la caméra. Je me place ici. Allons-y, une attaque combinée.
de la résistance. Pourquoi moi? Oh, cette souris fait vachement mal. On va régler le problème de la grenouille. Je me suis gouré de direction. Je reviens. Vas-y, viens me filer un coup. Vas-y, viens me filer un coup de papate une fois que j'ai fini ma quinte de tour. Allez, j'arrive, mon précieux Bob. Je suis passé au travers de Max Choco, mais c'est pas grave. Allons-y à deux. Double attaque. Et on a gagné. On peut vraiment le faire, mon précieux. On verra ça plus tard. Vite, tous aux égaux. Fred serait là. Il se taperait la tête contre un mur. Les victimes de Punky Trouille ont été emmenées dans son repère et enfermées dans une cage. Citrouille. Bienvenue, humain, dans mon repère putride et nauséabond que j'ai eu la brillante idée par moi-même d'inventer. Personne ne cherchera des personnes dans les égaux, là. C'est une idée machiavélique. Et les tortues ninja? Quoi? Bah, les tortues ninja sont dans les égouts aussi. C'est de la fiction. N'est-ce pas un bel endroit pour vivre ou pour mourir? C'est quoi? C'est une espèce de flash mob? C'est presque trop drôle. Oh non, quelle odeur! Je me demande pourquoi ce monstre a choisi cet endroit. Il faudra que j'achète un autre costume de panda. Ah, attendez ici, je détecte des intrus. Bah, tu nous as attachés dans des citrouilles, tu crois qu'on va aller où? Nous devons trouver des gens dont Cérébro nous a parlé. Et vite! Regardez, je crois qu'il y a des gens en bas. Nous sommes là pour vous sauver! Ne vous inquiétez pas, tout va bien. X Rangers, attention! Ah, tiens, on dirait que j'ai trouvé les rats. Splinter? Oh, la ferme! On dirait que nous avons de nouveaux jouets pour nos petits jeux. Qu'est-ce que tu sois, on n'est pas venu pour jouer à des jeux de plateau, hein? Et puis en plus, les jeux de plateau dans les égouts, c'est pas terrible. On est là pour sauver ces gens. Ah, bon bah j'ai changé d'avis. Vous m'ennuyez. Je m'appelle Punky Trouille, et voici mon petit cadeau pour vous. Prenez ça. Aïe. C'est tout. Moi qui croyais avoir de vrais adversaires. Quelle blague. Tu penserais où comme ça? On n'a pas encore combattu! On ne sauvera pas la planète en restant couché par terre dans les égouts dégoûtants! Debout tout le monde! Au combat! C'est un peu dur, mais tu as raison, Max Castor. Levez-vous! Battez-vous! Trefcy! Dewey! Par le pouvoir de l'amitié, à nous de jouer! Geeks Rangers! Chocolatisation! Geeks! Vêtements faits main? Qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont trop nombreux. Mon gang, venez vous amuser un peu. Ouais. Miaou! C'est qui a dit miaou? Pas moi.
Allez, un petit soutien moral. Et une petite pause létale. Ah, le retour de la lance, Castor. Sur cette petite souris, ça va être un cador. Et un petit pyrocanon pour la... pour mon canard. Bah moi je vais aller taper sur un qui est à côté parce que j'ai plus que ça à faire. Contre-attaque du castor! Oh là, ça fait mal! Soigner Dog. Ah non, si je soigne, je peux pas. Voilà, c'est bon ça. Allez, le coup de pied rotatif. Du panda! Et voyons si vous aimez le multiple pyroblast. Blast multiple! Un chat de moins. Aïe! Un petit corps-circle de soins pour ton mi-copain. Piétinement, vous avez aimé, vous en aurez encore. Quand vous serez renvoyé dans le décor! Et un petit pyroblast pour achever le chaton. Il est beau le poupée, mais il me casse les poupées. Pose étonnamment virile d'un androïde. Vive le pouvoir des toasters.
J'étais un petit peu sur les nerfs. J'avais besoin de me défouler. Un petit peu de soin, ça ira mieux. Enragé. Viens voir par ici, je vais t'expliquer les choses de la vie. Les canards, ça finit toujours à la broche. Et les chatons finissent castrés. Oups, j'ai castré trop tôt. Castré tôt, trop gros. C'est ballot. Ah, I'll work. Comme circule de soins d'urgence de circonstance parce que ça commence à piquer. Étonnons-le un peu, et ça lui fera perdre ses yeux. J'ai pas d'yeux, je suis une citrouille. C'est pas faux. Allez, collons-lui un bon oignon à ce potiron. Esquintons-le un peu. C'est l'heure de le finir. C'est l'heure de lui faire pâtir. C'est l'heure de l'estourbir. C'est l'heure de lui faire payer pour mon anneau. C'est l'heure. Du duel. Tu dois être le mouton de Cérébro. Lord Gaga m'a parlé de toi. Alors trouve-moi à l'extérieur. Dans ma seconde vie que j'espère bien meilleure. On fait quoi maintenant? Avant, on avait une ville miniature. Comment peut-on en combattre un monstre géant et réel? D'abord, nous devons sauver ces gens. Laissez-moi essayer de vous... Ah, laissez-moi... Ah, j'arrive plus à parler! Laissez-moi... Laissez-moi... Bah...
Vous avez un problème, monsieur ? Juste un problème d'élocution. Laissez-moi essayer de vous débarrasser de la cage citrouille. Coup de pied circulaire du panda ! Oui, ça a marché ! Je ne pensais pas que ça marcherait, mais... Ben ouais ! On doit croire en ce qu'on fait ! C'est là qu'est la clé de mon pouvoir ! On doit y aller maintenant ! Mais nous reviendrons vous sauver, rassurez-vous ! Vous pourrez aussi vous diriger vers la sortie des égouts au sol ! Et si on imagine que notre méga Choco X est réel et qu'on peut utiliser le téléporteur ? Comme quand on s'est transformé ? Bah ça vaut le coup d'essayer, en plus, on a été téléporté par... La nausée. Bon, on y va ! Nounours, Chocomore, Nostalgique, combat ! Il a un sacré paquet de points de vie, celui-là. On peut plus parler en points de vie. C'est un sacré guerrier. Il encaisse. Et toi, t'en fais des caisses. Je suis géant maintenant. Vous ne pouvez plus me faire de mal. Mais nous aussi, on encaisse. Aïe. Zut. Ils se préparent une attaque! Coupons-le! Interrompons-le avec les prises! Il est temps de le finir! On va l'oxyr! On va l'aplatir! On va le démolir! À coup de spatule! Avec le coup final. Le gros canon choquant! Ça a marché! Je n'arrive pas à y croire, mon précieux! Nous sommes revenus vous sauver, comme promis! Vous êtes les vraies premières personnes qu'on a sauvées dans notre aventure. Est-ce que vous allez bien, mon précieux ? Comment vous appelez-vous ? Nous ne vous oublierons jamais. Je m'appelle Amanda Ford. J'y crois pas. Vous existez vraiment ? Je suis une très grande fan. Moi, c'est César Ralph. Merci, Kicks Rangers. C'est nous qui n'oublierons jamais cette journée. Surtout quand on continue d'avoir les pieds dans les égouts. Et moi, c'est Chris Lindsay. Vous nous avez sauvés. Merci beaucoup. Et vous, mademoiselle ? On ne vous a pas du tout entendu. Excusez-moi, je voulais pas faire ma main élevée. Je suis Tammy. Je crois que je n'oublierai jamais ce jour. J'ai l'impression que c'est un moment très important. Vous allez changer le monde, Geeks Rangers. Waouh ! Cool ! Vous êtes cool ! Et je suis Bob Lennon ! Ha ha ! Je suis très fan, Bob. Je suis beaucoup tes aventures. Je regrette toujours le départ de Fanta, mais en solo, t'es pas si mal non plus. On ne devait pas avoir des identités secrètes... Des identités secrètes, pardon. Qu'est-ce que tu racontes, Machoko ? On ne voit que nous sur la chaîne de télé publique ! Est-ce qu'on peut partir d'ici, maintenant ? Faut vraiment que je prenne un bain, mon précieux.
Bien, commençons comme d'habitude par le courrier de lecteur. Message de fan. Oh, ça passe toujours bien ça. Alors, message de fan de Johnson. Je suis votre plus grand fan. Je voudrais savoir combien tu mesures. J'ai tellement de questions. Dans quelle ville vous battez? On ne parle jamais de vos exploits dans les journaux. Mais c'est vrai que les grands médias oublient des sujets intéressants. C'est Halliburton qui a conçu votre méca? Et comment vous savez quel bouton active quel pouvoir? Vous avez un affichage digital dans vos casques? Avec quelle branche de l'armée travaillent les Geeks Rangers, votre plus grand fan? Ça fait beaucoup de questions. Alors, Neo Tokyo, hein, parce que, voilà, on se bat dans Neo Tokyo. Non, c'est pas Halliburton qui a fait notre méca parce que, bah, il était occupé. Ouais, c'est Bob qui l'a construit pour le style. Et comment on sait quel bouton active quel pouvoir? Bah, en fait, il n'y a pas de bouton, ça agit avec les capteurs de mouvement, avec un capteur Kinect. Vous avez un affichage digital dans vos casques? Oui, pour nous indiquer ce qui nous reste en batterie. Avec quelle branche de l'armée travaillent les Geeks Rangers? Eh, on ne travaille pas avec l'armée. Un jour, je veux devenir un grand héros pour être comme vous. C'est bien que les Geeks Rangers soient une représentation réaliste de la crise internationale. Scandaleux que votre série ne soit pas diffusée sur une chaîne publique. Enfin bref, un très grand merci de protéger notre pays des menaces aliens. Votre plus grand fan. Bisous. Ok. Merci Geeks Rangers. De Tammy. Ah Bob, Il y a un message de Tammy, mon précieux. Oui, il y a un message de Tammy. Bon, allez, il n'y a pas assez de mots assez forts pour vous remercier Max Castor et l'équipe d'avoir pris cette décision. Je savais que vous étiez plus que des stars de télé. Vous avez un truc spécial. Oui, on a Bob. Ces gens que vous avez sauvés aujourd'hui, ils s'en souviendront. On s'en souviendra tous, et nous aussi. Ce que vous avez fait est important. Merci de nous avoir inspirés à combattre le mal. Tammy Abo. Ah bah, Bob, tu lui passes le bonjour? Oui, je lui passe le bonjour avec un gros bisou sur la... Oui, on a compris, voilà. Bonjour à toi, Bob. Je crois que t'as une touche, Bob. Mais je suis marié. Ah, c'est pas grave. Enfin, je veux dire... tu t'occupes de... Comme d'hab. Bon, le studio. Avant ça, on a plein de choses à... Oh là 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 là! Alors, il faut voir ce qu'on va mettre, parce que là, il y a beaucoup de sous-sous qu'on n'a pas, et ça, c'est pas mal, ça. Oh là là, oh, on va être à nouveau, on va être à nouveau dans le rouge, hein. Alors, on va vous faire d'idée. J'essaie de voir si on peut pas prendre plusieurs choses. Ça, c'est bien, ça. Voilà, il reste déjà plus grand-chose! Microphone à condensateur. Oui, c'est bien. Bon, un peu de saut. Voilà, ça passe le problème dans la fabrication. Tu veux dire que je peux rien faire? Si. Tu peux prendre le téléphone et commander des sous, des NEM. Parce que là, c'est fin, c'est fini. Voilà.